Salut à tous et bienvenue sur Geese Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour la suite Force of Nature. Alors j'ai pas mal farmé hors vidéo comme vous pouvez le voir. J'ai trouvé quelques animaux, dont une chèvre je crois que je n'avais pas encore. Le poulet que je n'avais pas encore. Un mouton, une vache, deux moutons. Voilà, et tout le monde se présente, c'est sympa. J'ai continué à faire des plantations. Et je me suis posé un deuxième puits parce que je me retrouvais vite à court de flotte. Donc voilà pour le tour. Alors j'ai lancé de la farine fois 1000 et j'ai construit ça. Donc ça a été un peu la galère au niveau des clous pour faire tout ça. Parce que là il faut par exemple pour chaque fence il faut 5 clous. Ça a été un peu la misère. J'ai fait des clous en bronze à partir des coins des gobelins. Donc je suis allé farmer du gobelin, un truc de dingue. Mais bon, ça c'est fait au final. Donc au niveau des quêtes, je les ai pas faites. Je les ai gardées exprès pour qu'on puisse les faire ensemble. J'ai juste fait l'arc. J'ai trouvé le poulet pour pouvoir faire les flèches. Les portails, j'ai pas encore commencé non plus. Et le lit non plus. Ce que je voulais faire, c'était avant toute chose. On commençait par le lit, mais pour faire le lit, je voulais faire lutte de gout. Ça me semblait sympa. Ah ouais, mais j'ai plus de clous. Ça, c'est la daube. Donc, ça, c'est la merde. Bon, ben, on va aller faire. On va commencer par autre chose. On va commencer par faire des flèches. Alors, splinter. Ah ouais. Ok, c'est à ça que ça va me servir, les splinters. Donc je peux faire des splinters directement avec mes... Voilà, les silex avec les pierres directement. Ok, ou alors je peux continuer à les ramasser par terre. Bon, alors, dans tous les cas, je vais continuer à faire du café un peu parce que c'est quand même pratique de pouvoir se remonter la stamina d'un pet, quoi. Et après, quand je pourrai, je lancerai du pain. Qu'est-ce qui me manque? Des graines de café? Non, c'est bon, j'ai tout fait. Hop là. Vous voyez, hein, tout avance vite, mais pas trop vite quand même. Alors les quêtes. Voilà, il m'en manque 10. Et je vais la valider avec vous. Donc les moutons, ça donne du wool, de la laine. Alors ça, où est-ce qu'on va le foutre? Tac, tac, tac. Alors la pelle, c'est génial pour farmer. Hein. Il n'y a pas à chier. Hein. Ça forme les mines, enfin les ça là, super vite. Donc on va essayer de trouver de quoi faire des clous. Maintenant qu'il fait jour, on va pouvoir partir à l'aventure. Hein. Alors stone arrow, t'école, hop là. Et voilà. Et on va refaire quelques tac 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 pour histoire de pouvoir faire des flèches. Donc on va essayer l'arc. Je sais pas du tout comment ça marche, on n'a pas de viseur. Alors on va partir par là. Chose pour tester. Ouais. J'ai dû rater une étape. L'étape où on met les flèches dans l'arc. Alors comment ça marche? Bon. Attendez. Ah oui, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Munition. Tac. C'est parti. Mon kiki. Ah ben voilà, là j'ai le viseur. Je sais pas si vous y voyez bien, vous. Bon, c'est pas non plus. Pif. Tiens, dans les dents. J'aime bien, mais je pense que ça va consommer des flèches. On va pas le faire sur des gobelins. Gobelin, ça se fait bien tout seul. Hein. Alors, on va chercher du fer un peu. On va partir par là-bas, voir ce que c'est que le gisement. Tiens, là-bas. On y voit. On y voit rien du tout. On va se garder les flèches pour ceux qui fuient. J'ai trop de gold là. Ça, c'est du thym. Ça me va pas du tout.
Alors ensuite, on n'y voit rien du tout, ça fait chier. Qu'est-ce qui m'attaque? Personne. Ah, l'ours. L'ours, il va m'attaquer. Voilà. Bon, le poulet, je m'en fous. Là-bas, qu'est-ce que j'ai? Juste des stones ou c'est du thym? C'est du thym. J'en suis pas encore à ça. Hein. Ça, c'est stone. Ça aussi, c'est merdique. C'est gavé de gobelins ce jeu, par contre. De l'autre côté, pour pouvoir faire des clous, c'est nécessaire. Parce qu'il faut 15 pièces pour faire. Pour faire un lingot. Du coup, faut farmer les gobelins. C'est pour ça que j'avais des clous. C'était pour faire l'espèce de cabane. Et en fait, je les ai cramés pour faire des. 16. Ouais, je peux faire un lingot. 10 clous. Il m'en faut au moins 20. Alors, attendez. On va pas se diriger à l'aveugle. Putain, là, il y a un camp de gobelins, quoi. Hop là. Allez, suivant. Après, l'avantage, c'est qu'ils sont pas malins. Faudrait que je fasse un portail, un de ces quatre, par là-bas. Je vais essayer d'atteindre ce minerai là-bas. S'il m'intéresse, je ferai un portail. Alors, je vais essayer de tuer le gobelin en premier. Oh punaise. Voilà. Parce que lui. Il s'échappe, hein, ces cons de. De fox. De renard. Un bon café. Un petit champi. Là, je commence à être chaud patate au niveau des ressources là. Il risque de falloir rentrer à la base prématurément. Ah putain, raté. Quand ça commence comme ça, c'est mal barré. Alors je suis où là? C'est par là que je veux aller. Putain, le soleil se lève jamais aujourd'hui. Ça c'est cool. Je vais en avoir besoin pour faire les portails, je crois. Putain, c'est chaud aujourd'hui. Donc je ramasse les cèpes parce que. Oh putain, c'est de la pierre. Et au sud là-bas? C'est un lapin. De la pierre aussi quoi. Je manque de gisements de fer quoi. C'est un peu la merde ça. Va se cacher derrière un ours, le fils.
Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai pas? Punaise. Ah, ce coup-ci c'est bon. Non, non, pas l'ours. Je me sens pas assez en forme pour me faire un ours. Putain, c'est chaud patate. Alors, j'ai load une nouvelle partie de map. Putain, là, il y a un ours. Vous que je suis pas parti du bon côté, hein, pour le métal. Putain, mais le jour se lève jamais, en plus. Je vais me faire décéder. Oh putain, on y va. Allez, on rentre. On va rentrer en mangeant des champipis. Toi. Ça t'apprendra. Ça, c'était pas mal. J'ai cramé, je sais pas combien de flèches, mais putain, j'ai cramé 17. C'est pas rentable pour dessous. Je tire à l'arc. Allez, on va aller se cacher à la maison. Faire le plein de ressources. On va se faire le gobelet en passage. Et après, on partira dans l'autre sens. Normalement, je dois pouvoir faire quand même une série de clous avec ce que j'ai pris. J'avais des pièges, il fut un temps. Voilà. Oh putain, le maladroit, quoi. Oh non, mais c'est la honte, hein. 20 pièges sur une pauvre poule, quoi, que j'aurais pas eu. J'aurais pas dû filmer ça. Putain, là-bas il y a un camp de gobelins. Et alors c'est des petits en plus. C'est des qui se tapent en deux coups là. Qui lâchent du cuivre. Je les aime bien ceux-là. Hop là, deux coppers à chaque fois là, ça va payer. J'étais concentré sur mon clavier, j'ai mal appuyé. Tiens. Oh merde, il fuit. Oh le con. Ça c'est con ça. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. Et aujourd'hui, le jour ne se lève pas. Il doit y avoir un bug ou un truc comme ça, parce que d'habitude le jour se lève quoi dans ce jeu. Ça fait chier parce qu'on y voit pas grand chose quoi. J'avais dit que je rentrais à ma base, moi. Je trouve la sortie. Allez. Je suis paumé. Ah, c'était le fuyard de tout à l'heure. Alors, voyons voir. On a dit peut-être par là.
C'est une série de massacres de gobelins. Ils sont passés par là. Donc ça, c'est la plage. Bon, au moins, ça nous donne un point de repère. Ouais, il y avait un gobelin dans l'eau. C'était le gobelin qui prenait son bain. Alors, on va se tailler la route. Donc voilà, un bon quart d'heure de massacre de gobelins. Et voilà, retour maison. J'ai plus qu'une seule flèche. C'est Nawak. Ah merde, j'ai plus de flèche du tout. L'habitude d'avoir la hache en deux. Bon, bel arc, je suis pas des plus grands fans du monde. On va quand même nourrir le coq. Hein. Alors, voyons voir. On va replanter le café. Il faudrait que je trouve un truc à bouffer parce que. On va manger le mouton. Non, ça se fait pas. La vache. Ah ouais, toute la farine est prête. Donc là, je vais pouvoir peut-être faire du pain. J'ai 6 œufs sur moi. Je vais pouvoir faire 6 pains déjà. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Je vais faire un fil là-dessus. Je vais faire cuire la viande. Voilà. Putain, j'ai 100 pièces d'or quand même. Ça, c'est pas mal. Donc, le copper des gobelins. Je vais pouvoir faire un peu de clou. On va faire des flèches. De flèches, c'est pas mal. Ensuite, là j'ai du charbon, j'ai tout ça, ça se fait. Les fraises, ça ferait essayer de manger un peu de fraises. Récupérer de l'eau parce que ça coûte. Ah oui, je voulais faire du café, mais ouais, mais j'ai qu'une seule table. Je peux pas faire et le café et le pain. C'est bien dommage. Moi j'ai tout le café qui est là. Allez, on va aller se concentrer sur ce qu'on devait faire. C'est-à-dire... Alors pour choisir le bon métal pour faire des clous par exemple, il va prendre le premier qui est dans l'inventaire. Donc j'ai bien fait gaffe de mettre le copper en premier pour qu'il prenne le copper pour faire les clous. Tout bête. Parce que je sais que je vais avoir besoin du métal après, du fer, pour faire des ciseaux et des trucs comme ça, donc je veux pas qu'il me le crame. Alors maintenant que j'ai du beurre, je peux manger les sunflower seeds. Il faudrait que je refasse... on n'en finit pas de ce jeu. Mais c'est ça qui est chouette. Alors, nail, take all. Voilà. On va planter du blé. Le coq il s'énerve. Ce qui m'étonne, c'est qu'il fait toujours pas jour. Voilà.
On a les clous. Donc on va pouvoir construire. Yes. Waouh, c'est beau ça. Alors le tout c'est de savoir où est-ce qu'on va la mettre. Je la mettrai bien là. Je sais pas pourquoi. J'ai pas vraiment de plan de construction dans la tête. Alors on peut pas déplacer en plus les bâtiments, donc faut bien choisir. C'est parti. Ensuite, on va aller rechercher de quoi faire des clous. Les quêtes suivantes, qu'est-ce que c'est? C'est faire un lit, un bed. Alors, construction. Des clous, toujours, on est tous d'accord, il nous faut des clous. Alors, vraiment, les clous, c'est le... C'est le truc qui me pose des problèmes. Je sais pas si vous avez une solution, vous, pour faire ça. Mais moi, ça me pose vraiment des soucis d'avoir ce qu'il faut pour faire des clous. Je vais aller partir par là-bas la prochaine fois pour essayer de voir s'il y a du fer. Hop là. Alors, est-ce que c'est construit? Bah, je sais ce que je vais faire tant que j'y suis. Je vais aller récupérer mes flèches. Et je vais aller faire H. J'en aurai besoin pour faire les portails. Je me souviens bien. Voilà. Munitions, 60 flèches déjà, ça c'est pas mal ça. Je pourrais en tirer quelques-unes. Allez, de gout, j'y suis presque. Les clous, ils doivent être faits. Ah, c'est du gros farming quand même. Hein. On va aller ramasser quelques sticks. Et le lit. Là, je peux le faire. Allez, 90. C'est pas mal, j'y suis presque. Le poulet. Ça me sert à faire des flèches, donc... Ça me sert à faire du pain. Ça aussi. Il me faudrait une deuxième table par contre. Aïe, c'est construit. Ah merde, j'ai glissé. Oh putain, il y a une porte et tout, mais je sais pas l'ouvrir. Non, comment on ouvre la porte? Bon, je me suis trompé de côté. Ah mais non, on clique tout bêtement. Ah. Construction select. Il est où le cucu? Il est où la tétette? Une idée. Et là, je vais pouvoir mettre même un petit coffre et tout. Bon, mais juste les coffres, ça coûte un bras, donc... Donc on va éviter, mais... Alors, les portails. H, 5, stone. Donc je peux déjà faire un portail ici. À ma base. Ce sera pas mal. Je vais récupérer le H que j'ai.
Tac. Colle. Oh putain, ça prend 1000 ans de les faire. Le pain aussi. Tout prend 1000 ans. Et il fait nuit en permanence. C'est nul à chier. Le coq a beau chanter, il fait nuit. Hein. Ah, j'ai fait un lit. Alors, ça, bah, j'ai pas encore trouvé. J'ai pas trouvé de copper, j'ai pas trouvé d'iron. Donc, alors si je dors, je crois que ça fait repop les mobs. Donc on va éviter, puisque j'ai déjà nettoyé la moitié du pays. Ce que je voulais faire, c'était un portail, mais j'attends qu'il y ait le dernier H. Ouais, se fasse. Et après, je pars à l'aventure. J'ai du pain. Hop. Oh. On va voir comment c'est les portails. Construction. Portail. Oh, c'est mignon. Oh, ça mérite d'être un peu au milieu quand même. Et ça mérite d'être décoré. Ok. On peut poser plein de portails. On choisit vers où on veut se, vers où on peut se téléporter. Est-ce qu'on peut les move? Est-ce qu'on peut les destroy? On peut les destroy. Là, on va fermer la porte. Tiens, bon principe. Alors, ben, on va aller se faire un peu de. On va attendre que ça se fasse. Le H, et il nous faut tuer des animaux du coup. Ah ouais, ah je peux pas foutre un portail dans la zone de ce portail. Ok. Je comprends mieux. Elle est super grande la zone du portail. Hein. Donc il faut que je traverse au moins tout ça pour pouvoir foutre un nouveau portail. Ah ouais, on va voir. Est-ce que je peux passer là? Ouais, c'est par là que ça passe. C'est le gobelin qui me dit par où passer, quoi. Alors, voyons voir. Il faudrait que je règle mon problème de minerai. Voilà, donc si je veux vraiment faire un portail, il faut que j'aille à l'autre bout du pays. Hop, la map loading. Ah ouais, en plus, il y a le nom du portail qui est marqué. Ah, je vais me faire l'ours, du coup. Enfin, je vais essayer de me faire l'ours. Putain, ça tabasse. Je vais mettre le pain plutôt que les fraises. Hein. Donc pourquoi je fais ça? Il me faut des fangs et autres pour faire des haches, de la poudre là, pour faire des portails, puisque c'est la quête, il faut que j'en fasse un deuxième portail. Le deuxième portail, je peux pas le faire dans la zone du premier. Ça c'est quoi? Encore de la pierre. Bon, je verrai si au montage, je peux pas corriger le fait qu'il fasse nuit tout le temps. Avec un petit filtre, essayer d'augmenter la luminosité de la partie. Enfin, de la vidéo, histoire que vous y voyez quelque chose. Parce que je suis pas sûr qu'on y voit suffisamment. Un renard. Viens ici le renard. On va essayer de t'acculer.
Il est où ce con? Mais il faut que je le tue, hein. Oh putain, je tire quand même pied. Voilà, ça c'est fait. La chèvre, on va la laisser là. La chèvre donne du lait. Donc du lait de chèvre, hein, bien entendu. Pas de lait de vache. Mais les vaches donnent deux fois plus de lait. Oh putain, il y a un arbre derrière moi. Ok, on va prendre un pain. Et là, on va faire. Ça, c'est du thym. Putain de merde. Je tire comme un pied. Je tire comme un pied à l'arc. C'est impressionnant. Vache, chèvre, mouton. Bon, là, il y a toute la panoplie. C'est con, hein. Je veux personne. Je voulais juste du fer. C'est trop demandé, je crois. Bon, ben voilà. On aura déjà vu une bonne petite partie de la map ensemble. Là, vous voyez, il y a des vaches. J'ai presque envie d'en ramener une juste pour principe, quoi. Histoire de pas revenir bredouille. Voilà. Juste pour que tu... Juste pour pas me retrouver con à rentrer tout seul à la base, quoi. Allez, viens. Ah, un renard. On va essayer de le coincer, là, dans le caillou. Allez, on va le poursuivre. De toute manière, il part dans la bonne direction pour moi. C'est chiant ces renards, hein. Est-ce qu'il allait se coincer quelque part ce con? Non, bah il court vachement plus vite que moi. Ah, et un lapin pour voir. Ouais, bon, bah les lapins on oublie aussi. Ah, attendez, ça c'est quoi? De la pierre? De la pierre. Donc voilà, ça s'appelle la loose ultime. Du métal. Du métal. Enfin du métal. Donc je vais farmer le métal. Moi je vais vous laisser. Je vais pas vous mettre une demi-heure de farming dans les dents. Parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Mais en tout cas, vous avez vu déjà une grosse partie de l'avancement des quêtes. Je voulais vous attendre pour faire les quêtes. Donc je pense que j'irai poser le deuxième téléporteur tout seul. Et comme ça, et j'essaierai de trouver le morceau de fragment de Force of Nature. Qui fait partie, qui est la dernière quête. J'irai miner un peu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite, en espérant que j'ai bien avancé. J'ai l'impression qu'au niveau suivant, j'ai regardé un peu dans l'encyclopédie. Il y a pas mal de trucs qui sont débloqués, notamment l'atelier de couturier et tout ça. Donc ça va être sympa, je pense. Allez, on se retrouve, je pense, au prochain niveau. Allez, ciao, ciao.